Bonjour, cela fait bien longtemps que je ne suis pas venue par ici. J'espère que vous allez bien. Pendant ces derniers mois, nous avons construit une cabane en bois dans le jardin avec Simon. Elle hébergera mon futur atelier de potière. La céramique est la voie que j'ai choisie durant mes études, mais faute de lieu, je n'ai jamais pu exercer. Je dois vous avouer que je suis assez émue et peut-être un peu impressionnée de pouvoir enfin me projeter dans cet espace. Les travaux ont bien avancé, même s'il reste beaucoup à faire, notamment à l'intérieur. Mais je voulais vous proposer de me suivre lors de la finition de l'extérieur. Pour l'occasion, j'ai fait appel à Moosfabriek. J'espère que je prononce bien. C'est une entreprise familiale basée aux Pays-Bas qui propose plusieurs finitions pour le bois importées de Suède. La Suède est le premier producteur mondial de bois depuis des générations. On y construit des maisons en bois qui sont exposées à un climat particulièrement changeant et parfois même très rude. Ils ont alors dû s'adapter et créer une peinture adaptée à ces conditions. À la fois économique et écologique, cette peinture suédoise à l'huile de lin est utilisée en Scandinavie depuis plus de 300 ans pour peindre le bardage, les boiseries, les fenêtres et portes extérieures en bois. J'étais donc à la recherche d'une solution durable et respectueuse de l'environnement quand j'ai découvert Moosfabriek. Et j'ai eu un coup de cœur. Pas seulement pour leur teinte naturelle, mais aussi pour ce papa et sa fille qui ont créé cette entreprise et leurs valeurs. J'ai choisi la peinture Moos F en teinte Kirunagra pour mon atelier. Je voulais quelque chose d'assez neutre et de lumineux. Cette peinture est basée sur une recette vieille de plusieurs siècles renforcée d'huile naturelle. Elle donne un rendu mat, un peu comme une peinture à la chaux. Elle sent bon, l'odeur n'est pas envahissante. Elle est entièrement soluble dans l'eau et s'étale très facilement. Les taches sur les mains ou les habits s'enlèvent assez bien, mais il faudra utiliser du produit vaisselle ou du savon car ça laisse tout de même un film gras dû aux huiles présentes dans le mélange. Même si elle est sans solvant, je vous conseille tout de même de porter des gants. C'est une peinture particulièrement adaptée au bois brut. Elle va ainsi pénétrer les fibres et protéger le support des intempéries. Il est conseillé d'espacer les deux couches de quelques mois, ce que je vais faire. Mais en une seule couche, ça donne déjà un résultat presque parfait. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu quelques déboires avec le scotch. En fait, je l'ai posé il y avait 3-4 jours et avec les fortes chaleurs que nous avons eues, toute la colle s'est déposée sur les fenêtres et ça a été impossible de l'enlever complètement. Du coup, on a dû trouver des solutions et perdre énormément de temps. On a frotté avec de l'essence de térébenthine qui a dissous la colle, mais ça a aussi dissous un petit peu la peinture qu'il y avait sur les côtés de la fenêtre et qui n'était pas encore prise. Du coup, il faudra que je refasse quelques finitions de ce côté-là. Un conseil du coup, quand vous utiliserez du scotch de masquage, vaut mieux l'enlever directement en fait dès que vous avez fini de peindre, même si la peinture n'est pas encore sèche, et le repositionner en fait quand vous allez repeindre par la suite. Cela vous évitera ce genre de déconvenu et en plus ça évite d'écailler la peinture sur les côtés. Je me suis ensuite attelée au désherbage de l'arrière du bâtiment, qui était un véritable champ d'ortie. Je ne suis pas pour l'arrachage systématique de ce que l'on appelle les mauvaises herbes, mais j'ai pour projet d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie et des framboisiers à partager avec les voisins. La chaleur est vite devenue insupportable, donc j'ai attendu le soir pour faire quelques plantations, notamment un petit chèvrefeuille qui viendra recouvrir une partie de l'atelier. Puis j'ai commencé l'installation de la décoration. La meilleure partie, non? Il me manque encore quelques pots pour remplacer ceux en plastique et rajouter des plantes, mais ça commence à ressembler au rendu que j'avais en tête. Mais un dernier mot sur cette peinture avant de vous montrer le résultat. La peinture Moos F ne s'écaille pas, ce qui vous permet de repeindre ou de retoucher à tout moment. La durabilité du résultat dépend des circonstances, par exemple si le bois est à l'abri ou pas. Mais elle est annoncée pour durer au moins 5 ans. En Suède, apparemment, ils refont les peintures tous les 10 ans. En plus, pas besoin de poncer avant de repasser une couche, et ça, c'est vraiment un très très bon point. N'hésitez pas à aller voir sur les sites de Moosfabriek, il y a de nombreux conseils et vous pourrez également commander gratuitement un nuancier pour choisir la future couleur de vos volets, poulaillers, meubles intérieurs ou autres créations. En tout cas pour ma part, c'est une satisfaction totale. Facilité d'application, nettoyage, respect de l'environnement, rendu, protection du bois, texture, odeur, bref. Je suis conquise et les voisins sont déjà venus nous demander ce que nous avions appliqué comme peinture. De plus, grâce au pigment naturel, la couleur change en fonction de la lumière. Elle est magnifique dans le coucher de soleil. Thank you.
Je pense que je vais commander d'autres teintes pour de futurs projets que je vous partagerai sûrement ici. On se retrouvera d'ailleurs pour un room tour quand j'aurai terminé mon atelier. J'ai hâte. Merci encore mille fois à Ryan et Jane, désolée pour la prononciation, pour la confiance qu'ils m'ont donnée et pour cette peinture incroyable. J'espère vous retrouver prochainement et en attendant, bonne couture et prenez soin de vous.